Allez, allez, donc bonsoir à tous. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc on se retrouve donc ce soir donc sur The Witcher 3. J'espère que vous avez la forme. Ah, par contre, attendez, j'ai pas bien mis la webcam là, vous allez rien voir. Hop. À moins que vous préférez voir mon mur, mais je pense pas que c'est bien. C'est pas trop worse, on va dire. Hop, comme ça devrait aller. Hop là. Alors, donc. Voyons voir. Alors, si j'appuie ici, qu'est-ce que ça fait de beau? Ah, super, ça marche. Ça marche, ça marche. Allez. Donc, c'est parti. Hop, hop. Hein. Et hop là. Allez, donc on s'était laissé donc sur une quête secondaire, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, on s'était laissé sur une quête secondaire, qu'on était dans un genre de. Comment on peut appeler ça? Un genre de laboratoire à la recherche de Ciri, donc qui est la fille de. Enfin ouais, je dis pas de bêtises, hein, ouais, c'est ça. Donc de Ciri qui est la fille de. Ben, tout simplement de notre sorceleur. Hein. Donc voilà. Oh tiens, il y a des trucs à fouiller là. Des tasses. Donc on va tout de suite voir ce qu'on a comme mission. Alors là, suivez la piste récente de baleine. Ouais, bah ouais, ça c'est. C'est random ce truc là, attendez. À moins que j'avais mal cherché la fois dernière, donc attendez, baleine. Campement de bandits. Arbre du pendu. Personne en détresse. Ah. Ah. Attendez, on va aller voir. Impossible. Ah oui, c'est vrai. Faut aller à Carrefour. Excusez-moi, messieurs. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Alors, donc, c'est parti. Hop. Allez, quand tu veux. Hein. Et quand tu veux, bébiche. Alors, donc, c'est parti. Alors, l'arbre des pendus. Ici, voilà. Donc, personne en détresse, c'est peut-être, j'ai bien dit peut-être, hein, notre mission. Je ne suis pas sûr. Oula, ça commence bien. Ici, il y a du mob. Alors attendez, hop, qu'est-ce que j'ai comme sort? Ok, donc je vais prendre sort de protection. Oh, c'est des chiens sauvages, ça va, au calme. Ça va passer au calme. Voilà. Ça c'est fait. On y va à la bourrin, hein, bien sûr. Comme d'hab. De toute façon, ils sont niveau 1, les bazars, hein, donc. Nokia. Alors, suivre de chien, ouais. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, ça va servir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Hop, non. Alors, donc, tac. Donc, là, c'était truc dépendu. Donc, normalement, il fallait suivre cette route, hein, si je me rappelle bien. Donc, attendez, on va vérifier quand même. Ok, donc c'est côté opposé. Donc ok, c'est dans l'autre sens. Donc faut suivre la route de l'autre sens. Allez mon petit dada. Hop, bonjour les pendus. Hop là. Alors donc la personne en danger. Alors d'être par là. On va check au barley. Ouais c'est bon, on peut passer par là. Donc toujours tout droit. Allez dépêche-toi monsieur. Ouais, par contre non, on va pas non plus se suicider. Très très mauvaise idée de se suicider. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a petit tada? Alors attendez, est-ce qu'on est arrivé ou pas? Putain c'est chiant, on voit pas sur la carte là. Hein. Ah d'accord, parce qu'en fait je m'éloigne, d'accord, ok. Ok. Oh là. Bon attendez, on va descendre du dada parce que le monsieur dada. Hein? Oh là, c'est quoi ce bordel? Des ennemis niveau combien? Oh ça va, c'est des. C'est des bandits. Oh joli. Voilà. Donc attendez, on va prendre. Aïe aïe aïe. C'est le dada qui tape ici. Oh. Hop. Hop là, no fair play hein, bien sûr. Le fair play c'est pour les noobs. On farm pendant qu'il est à terre, hein. De toute façon, il aurait fait pareil le monsieur. Hein, donc voilà, il n'y a pas de fair play dans le jeu. Hop, voilà, Axie. On va pouvoir contrôler la pensée des gens.
Alors, ok, donc c'est elle la personne à sauver. Ok, donc là il reste encore deux messieurs. Attention, hop. Hop là. Allez, on descend, papy. Voilà, on touche pas au dada, nous. Et hop là! Bah voilà! C'est bon, on les a bien brouillés, ces petits cons. Alors, donc il reste qui à sauver? Enfin, ouais, il reste plus que la personne à sauver, hein, au calme. Alors. Oh, calme-toi, voyons! Allez, laisse passer, mon grand! Bonjour, monsieur! Ah, requiert une clé. Ah, ah, ah. Bah, comment on va faire, nous, pour l'aider, monsieur? Lettre non envoyée, ok. Donc comment on peut faire pour prendre la clé là? Ouais d'accord, en fait je peux pas l'aider en fait, parce que j'ai pas la clé. C'est de ma gueule, elle doit être cachée quelque part la clé, peut-être dans le coffre. Même pas. Non, c'est un truc de ouf ça. Ah bah ça c'est super ça. À moins que je défonce la porte, qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais essayer, hein. Et je veux pas défoncer le mec, je veux défoncer le truc là. On peut pas, hein. Bien avoir une clé quelque part, bordel. Pas possible que je libère quelqu'un qui a pas de clé quand même. Ok, après c'est The Witcher, hein. Tout est possible avec eux, franchement. Et le mec, je peux même pas lui parler ni rien. Ok, le mec, il veut même pas me parler. N'importe quoi. Au pire, elle sert à rien cette personne, en fait, hein. Au pire, on va prendre le contrôle de la pensée. Là, il y a des ennemis là-bas. Donc, on va les défoncer. Enfin, j'espère qu'ils sont pas trop au level. Oula. Et hop là! Dégage! Pas touche! C'est bien ça! Merci du drop! Hey, toi là-bas! Par ici! Alors qu'est-ce que tu veux, papy? J'ai du boulot pour toi! Pas bon! Tu m'as tout l'air d'un sorceleur! Mais non! Qu'est-ce que tu veux? Il y a des nécrophages dans le coin! On peut pas bosser tranquillement! Débarrasse-nous deux et on te donnera une part! Mmh. Pourquoi pas? Entendu. Alors, donc, Merde, j'ai oublié un drop là. Ouais, tu peux quoi? Ouais, j'ai oublié un drop. Ah, là-bas, il y a des nécrophages. Allez, faut les dégommer. Hop, faut les DPS. Hop. Et hop. Et voilà, c'est fait.
os de monstre. Hop là. Donc là, il y a encore quelque chose. Mais non, monsieur, criez pas, voyons. Œil de monstre, ah, ça c'est good, ça. Attendez, j'arrive, je prends le taf. Oh, le taf de ouf. Hop là. Last hit. Merci. Et je fais juste le last hit au calme, hein. Je conseille de te calmer, sinon. Grand Dieu. Oula, il y a encore du taf. J'arrive. Hop, hop. Voilà, du coup, ma griffe, là, pas pire. Voilà. Mais oh. Nous, t'essayes de me taper, moi, ton dieu. Ton dieu aux cheveux blancs. Hop. Il y en a encore qui arrivent. Approche, connard. Oh, comment tu parles, lui? Donc, attendez. Faut peut-être que je la sélectionne, la quête, non? Quête secondaire. Vraiment, ça doit être la dernière. Hein. Non, c'est pas ça. Contrat sorceleur, peut-être c'est ça, non? Merde. Bon, au pire, on va continuer à les farm, on verra bien. Hein. On verra bien. Oula, lui il a l'air pas gentil lui. Hop. Aïe aïe aïe, le salopard. Hop. En plus il réveille le salaud. Écoute. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Ah ah, salopard. Hop, next. On bourrit, non? Allez, dégagez. Voilà. Putain, il y a du temps, hein, sa mère. C'est obligé, ça. Oh là là, il est chaud lui. Hop. Putain. C'est de ouf hein. Putain. Crève. Mais arrête de courir. Bon, tu m'énerves, monsieur. Voilà, hop, immobilisation. Allez, crève. Allez, c'est bon là, il n'y en a plus là-haut. C'est bon là, oh, j'en suis au moins une trentaine là. Oh, ah, des écoeurs. Merci, messire. Ah, voilà. Vous nous avez sauvés. De rien, pas sûr. Tenez, prenez ça. Votre part. Moi, ça me fait l'XP. Et la part du salaud qui nous forçait à déterrer ces cadavres. Adieu et encore merci. J'ai le dos en compote. Yes. J'ai 2 points disponibles, je suis niveau 7, ça c'est good. J'ai tellement XP que j'ai pas vu le truc défiler quoi. Alors, donc c'est parti. 20 couronnes. Alors donc, personnage. Donc qu'est-ce que je peux prendre de joli? Donc on a débloqué un spell, c'est pas mal ça. Alors augmente 1 le seuil des surdoses. Non, c'est pas ça. Alors dans technique, il y a quoi de beau? Ah, augmente de 500 les points de vie. Là, je prends. Direct. Ah, ouais, d'accord.
Putain, je ne peux plus rien avoir d'autre. C'est malin ça. Donc, attendez, hop, ça on va le mettre ici. Ouais, c'est chaud quand même de ne pas pouvoir tout équiper direct. Alors on va augmenter ça, hein. Attaque rapide. Oh mais purée, mais mec, sérieux. Seriously. Respecte-moi quoi. Donc attendez. Hop. Hop. Et hop, voilà. Donc là tu mets ici, voilà. Ça touche. Donc c'est bon, c'est fini. Donc j'ai combien? J'ai 62 d'argent. Ouais, c'est chaud. Alors attendez, il y a quoi ici comme belle arme? De la merde, de la merde, de la merde, de la merde, et encore de la merde. Ok. Bon bah on a de la merde, c'est super. Avec de la merde on va pouvoir rien faire, mais bon. Donc suivez la piste de Valon, ça, pas franchement, aucune indication. Un peu showtime quand même. Hein. Lieu non découvert. À moins que c'est peut-être ici dans le village, hein, qui sait. Meule aiguisée. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Donc, il faudrait que je retourne jusque là-bas, jusqu'à l'arbre dépendu. En passant par là, peut-être. Ouais, je pense que je vais passer par là. Comme ça, je vais voir c'est quoi le lieu non découvert. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Ma petite Hamlet. Allez. Allez Hamlet, on y va. Alors donc, la carte, c'est par où? Donc on tourne un tout petit peu et hop, on va tout droit. Oh, c'est par là. Voilà, c'est ici là, en avant. Allez Hamlet, n'aie pas peur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de quoi? Une petite montée de rien du tout. Oh, la chipote, hein, la chipote. Ah. Il y a des ennemis. Et qui dit ennemi, dit problème. Merde. Hop, on prend ça. Et ça. Allez, c'est parti. Alors, qui est là? Oh, des nakers. Oh, des gouloums. Oh, c'est des gouloums, les gens. Oh là là, les gouloums. Oh, tu vas te calmer, gouloum, hein. T'as pas de crabe. Quand ils sont à bande, ils sont insupportables ces bidules. Oh, les trucs, c'est déjà tout là, c'est bidule, c'est tout quoi. Putain, c'est un truc de ouf ça, comment je prends cher hein. Par contre, là, j'aimerais bien changer de spell s'il vous plaît. Je crois que je vais prendre plutôt celui qui est isolé. Allez d'accord, le mec il fait je sais pas quoi là, ok allez. Non mais arrête de cibler au pire, arrête de cibler. Eh, mais... Putain mais c'est violent, je lui dis d'arrêter de cibler le mec, il fait quoi? Il cible celui à côté, ce con. Putain, on peut même pas replier dans le jeu quoi, mort de rire quoi, mort de rire. Bon je me suis fait farm là, franchement, de combien de temps? Je me suis fait farm comme une merde. En plus, je vais tout recommencer. Oh là là, peut-être qu'il y a une sauvegarde auto, s'il vous plaît. Faites qu'il y a une sauvegarde auto. Allez. Ah, bien, il y a une sauvegarde auto. Putain. Ouais, fou, tu vois, mais tu l'as dit bouffi. Hein. Tu l'as dit bouffi, on a eu chaud. Hein. Putain. Putain de nécro. Nécro à la con, là. Attends, ils sont pétés, hein, les trucs, quand ils sont en putain de meutes, là. On veut pas être dans les parages, putain, ils sont fides, les bazars. Alors, il faudrait réussir à les aggro un par un. Mais pas chose, game. Allez, qu'est-ce que tu fais? Et ton dada en carton là. Ou peut-être te les faire à dada, non? Non, dada c'est trop chiant, c'est trop bien. Déjà, il faut le cibler le bazar. Allez, venez, un par un. Ou trois par trois, ou comme vous voulez. Voilà, un par un, c'est bien. Non, j'ai dit un par un, pas trois par trois. Enfin, quoi que, allez. M'a pris au mot, j'avoue, j'ai bien promis trois par trois, allez. Y va. Ça touche, toi. Oh putain, il tape fort, lui. C'est lui qui tape fort, lui. Oh là là. Hop, on contrôle. Voilà, ça c'est fait, qu'est-ce qui t'arrive?
Allez, on va prendre ça. Bouclier. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, hop, griffe de Nerker. Œil de Nerker. Au calme. Oh, bien. Je sais ce que c'est, mais bon, c'est bien quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Donc, une grotte là. On va l'explorer vite fait. Tout doucement. Délicatement. Ah, il y a un coffre et tout. Alors, armure de cavalier, cool. Oh là là, ça pue là-dedans, ça pue le Nerker à plein nez, ça. Ça sent le Nerker pété à plein nez, là. L'antre de monstre, aïe aïe aïe. On va se faire une petite sauvegarde, hein. Une petite sauvegarde de lâche, bien sûr, hein, au calme. Plein de kilos pépère. N'ayez peur, hein, n'ayez peur. Alors, donc c'est parti. On va se faire le petit radar qui fonctionne bien. Il détecte les monstres et tout. Oh putain, les schémas de ouf, oh, bien. Donc quoi, je les ai pas butés pour rien. Hein. Hey, hey. Ah, il y a des messieurs pas gentils. Hein. Oh putain, il n'y a que des guerriers. Oh là là. Ouh, ça va être chaud. Attendez. Les gollums ils sont chauds là. Voilà, déjà un de moins. Bouclier en moins déjà direct. Oh putain. Mec, ils ont fait genre ils peuvent pas venir et de ce coup ils viennent quand même. Hein, des guignols. Y'a là, ça fait des gouloum. Putain! Il fait péter des câbles. Ouais, vaut mieux faire beat and run parce qu'avec eux. Hop! Qu'est-ce que tu fais, mec? Il est fou ce mec, hein. Vraiment, il est suicidaire de temps en temps. Hop, bah, de temps en temps, tout le temps en fait. Pratiquement tout le temps il est suicidaire le monsieur. Vous savez quoi, on va faire un petit dodo aussi. Hein. Et on va pas se casser la tête. On va pas niquer toutes nos potions pour rien. On va juste attendre un peu. Voilà, au calme. Un kilo pépère. Et voilà, on y retourne. Hein. Et on va se prendre la tête, franchement. Bon, peut-être qu'eux ils ont récupéré un peu de PV, mais bon. Moi aussi je suis foutu. Là je gère. Voilà. Hop, j'ai suivi les boulimes. Tac, tac et tac. Voilà. Et vas-y donc, showtime, le bazar. Les showtime le monsieur. Ça va, j'ai commencé à avoir la technique, donc ça passe. Veste de loup. Ouais, pourquoi pas. Alors notre drop il est où là? Ah il est là, il brille. Il brille de mille feux. Ah là-bas aussi il y en a un autre. Il y en a le drop là. Oh il y a même un coffre on dirait. Oh, magnifique. Putain, les coffres ici, c'est blindé, sa mère. C'est blindé de chez blindé les coffres. Hein. Bon, on va allumer le chaudron. Vous en pensez? On peut pas? Oh, ils ont fait un petit pot au feu et même pas on peut participer. C'est quoi ce bordel? Je peux participer au pot au feu, moi. Oh. Ok. Petit sac.
Ah, moins que... Non. Non, 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 il n'y a peut-être pas ça, je sais très bien rien. Ah, un coffre. Des lingots, ouais, pourquoi pas. Hop. En fait, il y avait que ça. Le mec qui en a toujours plus, hein, il y avait que ça. Bah ouais, il y avait que ça en fait. Hein. Donc c'est droit, elle sert plus à rien. J'ai tout ramassé, on s'arrache. Allez. On s'arrache de cette étoile. Ah, s'il y a quoi? Ah, c'est un cul-sac. Pourquoi pas. Alors, bah voilà, cet endroit est exploré. Donc c'est plus une zone inconnue maintenant. Donc c'est le repère des monstres. D'accord. Alors, donc, on va aller vers l'arbre des pendules. Hein. C'est là la destination. On va essayer de trouver un chemin vers la route de... Alors, attendez, on va passer par là. Hop là! Allez, viens là, ma petite femmelette. Hein. Hop, on prend tout ça. Et on se casse. Hop là! Allez, c'est parti, mon kiki. Tac, tiens. Au galop. Alors, attendez. Pourquoi il nous indique le nord? Bon, pas pourquoi il m'indique le nord en fait. Est-ce que ça serait là l'endroit où il me demande d'y aller? Franchement, je vais essayer. Je vais essayer d'aller vers le nord. Il m'indique le nord, je vais essayer d'aller vers c'est le nord. C'est bien, Ablett. Ouais, c'est bien, Ablett, c'est bien. Le mec, il la complote tout le temps alors qu'on a un nain pété. C'est bien, Ablett, c'est bien. C'est bien. Ah, là, il y a si des bits. Ouais, pas si vite, hein, voyons. Oh, il y a quand même des petits boulous, là. Ah, bah, on va se les faire au corps à corps. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Ah, putain. En plus, son niveau 1, hein, au calme. Tout, il y a eu que ça. Mais non, je déconne, il y en a encore un, regardez. Il y en a encore un qui se cache, là. J'attends juste d'avoir ramassé ça pour le buter. Hop là, attention. Putain, voilà. Pas de pitié pour la saleté. Alors, donc. Vous avez vu cette tour là-bas? Cette tour Montparnasse, non, déconne. Alors, est-ce que je suis dans la bonne direction, hein? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Là-bas, il y a une quête. Ouais. Ouais. Bon. Allez, c'est parti. On poursuit direction nord, hein. Allez. Bah. Allez, n'aie pas peur, y'a rien. Y'a juste une petite marche, rien du tout. Un vrai dada, ça tire pas de ça, voyons. Oh, magnifique. Dans un, il me fait des trucs de ouf, le Hamlet, hein. Tout de ouf. Alors, nouveau marqueur. In hold. Ah. Oula. Oh, c'est quoi ces bestioles? Ouh, dans ton cul, ça fait rien. Nos dégâts. On va d'abord tuer le petit. Je vais te faire chier pendant que je tape le gros. Ok. Et il est pas mort en plus, le petit.
Oh là là, il est chaud là. Allez, dégage. Voilà, rien de tel que la technique No Brain. Voilà, il n'y a pas de drop, ainsi quand même. J'allais dire, ça aurait été des radins, sinon les mecs. Hein. Juste là pour t'arracher des PV, quoi, ça donne pas de drop là-haut. T'as deux petits salopards. Oh là. On est où ça et quoi? On va faire ça. Aïe. On va jouer super safe sa mère. On va juste mettre un coup par un coup. Bon, ça c'était avant. Hein. Hop. Allez hop, c'est bon. Voilà, c'était bien. Hop là. Bah voilà, on est une nouvelle zone, au calme. Hein. Alors. Salut à toi, homme. Quel pseudo de ouf, quand même, homme. Homme, je suis un homme. Oui, c'est vrai, je suis un homme. Oh là, il y a un ennemi ou quoi? La manette, elle vibrait là, comme si la fin du monde était proche. Hein. Un truc de ouf. Hein. Hop là. Vous avez vu ce saut de magnifique, franchement. Si ça, c'est un saut beau gosse. Parce que vous voulez d'autres, hein. Ça c'est un saut de hashtag bogos, hashtag respect s'il vous plaît. Là, il y a l'air de plus rien à voir, hein. On a tué des petits guignols là et maintenant il n'y a plus rien. Bon, ça m'arrange hein, écoutez. Hein. Perso moi ça m'arrange. Ça m'étant c'est du free loot hein. Alors on va voir ce qu'il y a là-haut. Ah ça fait longtemps, hein. très longtemps même, trop longtemps même. Oh là il y a un pendu là. C'est un peu boche. Alors donc, c'est parti, on descend. Bon, les escaliers c'est pour les noobs, hein, on sait tous. Hein. C'est tout que les escaliers c'est pour les noobs, enfin les échelles. Donc on descend à main nue, nous. Enfin, à pieds nus plutôt. Oula, il y a l'air d'avoir des mobs ici. Et mon épée est bientôt morte, et ouais. Ah, sinon c'est pas drôle. Et ouais, vous savez très bien que hein, les réparations dans le jeu c'est juste what the fuck quoi. Réparer l'épée à tous les 10 coups quoi, c'est abusé. C'est abusé. En fait, il doit avoir un monstre là. Bonjour mon ami. Bah, où il est monsieur? Ah, c'est des oiseaux. En plus, c'est des putains de pigeons. Ah, mais j'ai une technique pour les one shot, c'est bien ça. Voilà, doucement. Doucement ma chérie, on va se calmer les harpies là. OK, hein, au calme, on est amis et tout si tu veux. Ok, on va attendre un peu. On va attendre et on va aller one shot comme ça. Bah tonton là il est parti dormir parce que il se fait tard hein, quand même. Il se fait tard. Voilà, c'est fait. Finish him. Voilà, ça c'est fait. On va se les faire safe au calme. Allez viens là ma chérie. Et merde, j'ai failli. Oh, tu vas te calmer, chérie. Hein. Voilà. On va se calmer, hein. L'amour, je sais que c'est bien, mais quand même. Oh, oh, j'ai dit quoi, là? L'amour, c'est bien, mais pas trop non plus, hein. Saloperie, là. Voilà. Alors, hop, on va se mettre un petit fruit sec, histoire de se mettre bien au calme, hein. Hop, une petite esquive, histoire de se mettre bien. Et attention, contrôle mental. Et hop, esquive. Et là, coup de race. Ah d'accord. On a rien vu. Monsieur n'a pas voulu faire le coup de race. Il dit non, c'est trop pété le coup de race. Il vaut mieux pas le faire. Hop. Bah voilà. Les petites harpies. Au calme, hein. Pourquoi il y en a encore une? Ah. Vas-y, si tu veux, ma chérie. Où t'es? Attention, attaque ça forcé. Hop là. C'est bon, t'as fini, ma chérie? Il y en a plus? Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Il n'y en a plus. Les harpies nichent ici.
Et ouais, des harpies. Il y en avait. Il y en a plus maintenant. Un peu moche, hein. Un peu moche comment je les ai one shot, quoi, les pauvres. Mais bon, ils pouvaient rien faire. Hein. La puissance de mon perso, c'est tombé, quoi. Ah, t'es juste passé comme ça, me tu fus pour dire salut, quoi. Ça te fout. Bah, bonne soirée à toi, alors. Bonne soirée à toi. Alors, donc, c'est parti. On va défoncer cette porte, là. Ah, même pas besoin, quoi. Je vois pas. Oh, vous avez vu ça, là ? C'est de se réveiller pété, ça. Oh, épée en acier. L'école du griffon. Magnifique. Si ça, c'est pas du loup de PGNM, c'est que je me trompe, hein. Mais bon, ça va être encore des épées au level et tout, et j'aurai pas le level pour le faire, donc ça servira à rien, mais bon, c'est pas grave. Oh, joli. J'ai fait un tour de piste, hein. C'est magnifique. Alors, donc... Les harpies nichent ici. Et donc ? Tu veux une médaille ? Le mec qui veut une médaille, on dirait, des harpies nichent. Vous n'avez pas de bombe. Ils sont rigolos. Ils font des blagues. Eh ouais, ils font des blagues. Il faut des bombes. Alors, des bombes, est-ce que j'en ai au moins des bombes? Non. Quoique, non. Il faut quoi comme bombe en plus? Je sais pas. C'est quoi ce froc de merde là que j'ai? Bon, on va mettre celui-là. Hein. Merci d'être passé. Alors donc, nous disions. Ouais. Ouais, c'est un peu de la merde tout ça. Hein. J'ai pas de bombe. Hein. C'est, je me retrouve comme un con. Parce que j'ai pas de bombe, quoi. Super. J'aurais pu juste le mettre en feu et tout. Non, non, c'est, il faut une bombe. Il faut une bombe. Regardez, je vais faire essayer de le fier. Hein. Voilà, non, non, les nids ça ne brûle pas. Il faut les exploser. Et oui. Et oui, c'est comme ça. C'est le jeu qui est comme ça. Hein. Au calme. Ah, mais attendez, il y a une porte là. Quoique. On se fait une porte. Hein. On se fait une porte. Dommage. Bon, on va se TP les gens. Et après, on va revenir ici, je pense, pour détruire le nid. Même si je ne sais pas trop à quoi ça sert, c'est peut-être pour éviter qu'ils respawnent. Mais bon. Limite, j'ai envie de dire. Ils sont pas très difficiles. Ils sont pas difficiles. Ils sont pas très difficiles, mais peut-être que ça pourrait nous aider à farm en fait. Donc attendez. Alors. On va se TP, donc on va se TP en ville. Voilà, ici, à la porte de l'ouest. Donc ça c'est un peu con qu'on peut pas se TP n'importe où, n'importe comment, mais bon, ça rend un petit côté réaliste, on va dire. On va dire que c'est comme ça, hein. Donc je vais en profiter de ce petit moment où qu'on est au calme, en ville et tout, donc pour faire une petite pause, hein. Enfin une pause, on va dire une pause vite fait, parce que ça fera pas pour tout le monde, hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas de routine à jouer. Donc c'est parti, la petite pause, à tout de suite. Hein. Tac. Donc pendant la pause, je vais tout simplement réparer tout, hein, du calme. Oh putain, c'est vrai que je commence à avoir la barbe là. Faut peut-être aller voir la raser, la petite barbe. Hein. Mais bon, ça va pas venir cher hein, si on doit raser la barbe à chaque fois. La petite barbichette là. Donc allez, on va voir. On va voir si le petit barbier il coûte pas très cher, mais je pense qu'il va coûter la peau du cul, le petit con. Putain, là. Et oui, on peut raqueter. On peut raqueter tout ça. C'est ouf. Ok. Donc ça, c'est la maison. Donc, ok, ok. Donc le barbier, il est où? Ah bah, il est là. Alors, barbier, ça coûte combien? Salutations, maître. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous possédez rasoir et ciseaux? Bien. Rendez-moi présentable. Voyons voir. Oh, ça va, c'est que 5 pièces.
Oh, ça coûte pas très cher pour, pour une barbier. Je pensais que ça aurait été plus. Mais bon, vu que l'économie du jeu est ouf quand même. Alors. Ah là, ça commence à coûter cher quand même. Hein, mais bon. On va quand même changer de coupe ici, au calme. Ouais, beau gosse. Ça fait un petit côté PGNM. Alors, au revoir. Merci de m'avoir inquiété, mec. Adieu. Adieu, ouais. Oh, le mec direct. Adieu. Allez, hop. Oh, beau gosse. Bon, ça change le perso direct, hein. Franchement, au calme. Hein. Bon, allez. Donc, je sais pas, si ça lui donne un air plus gros, en fait. Le chevalier des contrôles. Bon, mais bon. Tiens, mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Je tiens l'œil. Dégagé, hein. Je vous tiens l'œil. Ok, tu me tiens l'œil, si tu veux. Donc il faudrait un forgeron. Établi. On peut aller en haut, hein. C'est en haut, de toute façon. Allez, c'est parti. Hop là. Tac. Laissez-moi passer. Ah, peut-être que ici on pourrait ouais, peut-être qu'on pourrait vendre des trucs, hein. Alors bonjour monsieur. Oh, bonjour. Montrez-moi un peu. Il a même pas dit ouais monsieur, vous avez changé de coupe, hein. Oh, c'est dommage, j'aurais pu le dire quand même. Jeter, la hachette, ouais, fait plus de dégâts, mais il n'y a pas les dégâts de perforation, donc ça me sert à que dalle. Par contre, réparer, ça serait pas mal. On peut pas réparer ici. Ah, si on peut réparer, pouah, ça coûte tellement cher. Oh, putain, c'est sérieux là, 63 pièces d'or, quoi, sérieux, rien que ça, quoi. C'est un truc de psychopathe, ce truc, quoi. C'est juste abominable. D'accord, à quel point c'est cher. On peut pas faire d'économie dans le jeu, c'est... Dès que tu tapes, c'est bon, c'est mort. C'est mort de chez mort. Par contre, la hache, il faut jamais la réparer. Comment ça se fait, ça? C'est pas normal, hein. Pourtant, je m'en sers quand même. Enfin, moins souvent, certes. Hein. Adieu. Pouah, laisse tomber, quoi. C'est trop cher. Donc, attendez, on va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est une épée de niveau, hein, quand même. Hein. Peut-être pour ça que la durabilité elle se casse vite aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme durabilité, la hache? Ouais, toujours à 100%. Hein. Celle-là, c'est une hache de bonhomme. Ouais. C'est une hache de bonhomme. Bon, merci de m'avoir inquiété, monsieur. Je vous dis à la prochaine. De toute façon, vous allez toujours me inquiéter. De toute façon, ça c'est connu. C'est connu, vous allez raqueter tout le monde de toute façon. Oh merde. Oh merde alors. Putain, je savais pas qu'on pouvait pas voler en ville. Oh my god. Vous avez perdu de l'argent. Bah ouais, merci, j'ai que ça à foutre. Putain, ils sont sérieux là. Oh les cochons. Oh my god, c'est sérieux tout ce qu'ils m'ont pris. Oh, les chiens. Oh putain, ils vont pas avec le dos de la cuillère, les mecs, quoi. Bon, limite, ouais, je préfère largement charger la partie, là. J'ai perdu tellement de gold. Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillé. De ouf. Bon, bah maintenant, je sais qu'il faut pas ramasser les objets en pleine rue. Parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuit donc sa route avec Kera en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenu jusqu'au mage M. Mais la chasse sauvage, si. Donc j'ai redémarré le live, hein, comme ça au moins ça fait un petit pause. A tout de suite. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kera lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine. Bon, j'aimerais bien que la sourire fonctionne, ça serait sympa. Merci. Hop.